Je m'appelle Avo Evodi, âgé de 22 ans et mère d'un enfant. Je réside avec mes parents dans le village Eko, situé à la périphérie nord de la réserve de la biosphère du Dja, dans l'arrondissement de Misamina, département du Haut-Nyon, région de l'Est Cameroun. En 2014, j'ai contracté une grossesse, j'ai été exclue et je suis retournée au village. Je me suis consacrée aux activités champêtres pour subvenir à mes besoins et ceux de mon enfant. Cependant, mes méthodes et rendements étaient peu appréciables à cause des préjugés, du manque de confiance en moi, du savoir-faire et d'un accompagnement. En septembre 2016, je m'inscris au centre de formation agricole de Malène 5, situé à 20 km de mon village. Au cours de la formation, j'ai acquis et amélioré des compétences diverses. Les activités socio-culturelles menées au centre ont amélioré ma personnalité et la confiance en moi. Les différents voyages d'études et les stages en milieu socio-professionnel ont ouvert davantage mon esprit à la pratique et l'évolution des activités agro-pastorales. En appliquant les techniques acquises dans mon village, je me suis retrouvée à accompagner quelques membres de la communauté. Je suis sollicitée pour apporter ma contribution à la mise en place d'une exploitation ou la résolution d'une difficulté et j'anime désormais le groupe des femmes de mon village. Au centre, les moniteurs me responsabilisent dans la conduite des apprentissages pratiques. Je souhaite devenir entrepreneur agro-pastoral et je commencerai par la mise en place d'un demi-hectare de palmiers à huile et un élevage de moutons à la fin de ma formation.